Bonjour, ici Lupina. On va tester le nouveau kit objet accessoire vintage. Vintage! Vous aurez sûrement mes vidéos demain, puisqu'il est 21h30 et que je viens de tilter qu'il y avait un kit qui sortait aujourd'hui. Voilà, c'est bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Un majordome, ça fait zizir. Le retour des majordomes perdus. Oh, mon majordome. Une coiffeuse, des décorations magnifiques et des tenues vintage, évidemment. Donc ça a l'air très sympa. J'avais vu la bande-annonce et ça m'avait excité le pistil. Donc on va voir si ça vaut le coup. Alors, on est sur ma petite partie perso. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle famille. Du coup, j'ai fait une famille vite fait, bien fait. Alors, on va voir ça toutes. Oui, c'est une chemise sympathique. Ça aussi, c'est sympa. Alors, ah, le peignoir de monsieur. J'adore. Ça aussi, c'est sympa. Bah, pour le moment, j'aime bien pour les mecs. Hein. Ah, c'est trop beau, ça. J'adore. Ça fait très majordome, ça. Il n'y a pas de pantalon. Ah ouais? Bon, bah, il n'y a pas de pantalon, les mecs. Par contre, on a une magnifique petite montre. Elle est jolie, hein. Elle est très sympa. Et il y a des chaussures. Oui. Enfin. Oui. Des nouvelles chaussures. Ça, c'est cool parce que les chaussures, je trouve qu'on en manque. Comme moi, je ne télécharge pas. Parce que je n'aime pas le téléchargement. Je suis désolée si je suis un peu molle, les gars. Alors, maquillage. Alors, il y a des lunettes. Bah, c'est... Oh, mon Dieu. Non. Jamais de la vie. Elles sont trop moches. Oh, putain. Je sais pas si vous mangez ces céréales-là, mais il y a des céréales, je sais plus du tout comment elles s'appellent. Sur la boîte, il y a un espèce de vieux monsieur avec les cheveux complètement hirsutes, là. Et il a ce genre de lunettes, et les céréales, on dirait trop les lunettes. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je suis toute seule dans mon délire. J'ai pas filtré pour les barbes, j'ai complètement oublié. Oh, il y en a pas, quel dommage. Là, j'entends déjà Seb dire « Oh, c'est nul, y a pas de barbe, on veut des poils !» Pardon. Alors, cette coupe, bah, elle est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien pour le moment. Des chapeaux, il y en a pas. Des accessoires, hormis ces lunettes atroces. Voilà. Est-ce qu'il y a des tatouages? J'ai pas regardé, je crois, les tatouages. Mais je pense pas, hein. Non. Alors, il y a ce haut. Oh, ça fait de ses nichons. Oh my goodness. Je vous avouerai que je suis pas très fan. Hein. Par contre, ça, c'est très mignon. Ah ouais, c'est sympa, ça. Faut voir le Sims qu'il porte, mais en doré. Oh, trop beau, le dos. Alors, les robes. Normalement, il y a de quoi faire. Ouais, il y a celle-là. Plutôt sympa en rouge et noir. Même si c'est très classique. Ah ouais, oh, en rouge. Oh, elle est trop belle, les mecs. Et ça, oh, celle-là, j'aime moins. Ça me fait un peu robe de chambre, c'est bizarre. Et ça, bah, ce truc de majordome. Oh, ça fait très bizarre, ce pantalon moule cul, là. Ah, il y a une jupe. Oh, elle est sympa, la jupe. Ah, j'aime bien. Alors, il y a quoi en accessoire? Il y a un petit bracelet mignon. Oh, il est joli. C'est une montre? Ouais, c'est une montre. Et une grosse montre. Je crois que c'est la même que les messieurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des chaussures? Oui, des chaussures. Alors, il y a les mêmes que pour les messieurs et il y a ça. Ah bah ça va, hein, elles sont plutôt pas mal. Il n'y a pas de maquillage, c'est dommage. Ah, il y a des boucles d'oreilles. Ouh. Mais je vous avouerai que les boucles d'oreilles et les colliers et tout ça, j'oublie tout le temps d'en mettre, c'est ouf. Ouais, celles-là aussi sont mignonnes, mais bof, sans plus. Les lunettes horribles. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et ce collier? Oh, il est beau, ce collier. Celui-là? Oh, il est beau aussi, celui-là. Waouh. Il n'y a pas de chapeau. C'est dommage, une petite capeline, ça aurait été super beau. Et les cheveux, il y a ça. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Oh, trop beau. Oh ouais, ça c'est trop beau. Alors, pour les petits, il y a quoi? Ah oui, la coiffure bien la frange et tout. Oh, c'est trop mignon. Oh, il est trop kiki. Mais en tenue, il n'y a rien du tout pour les garçons. Ah, si, quand même. J'ai eu peur. Une petite chemise sympa. En rouge, elle claque. Hein. Bon, bah, c'est très pauvre. Et pour les petites filles, alors? Il y a ça pour les petites filles. Ça fait un peu robe de chambre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enfin, je sais pas.
Je suis un petit peu déçue des enfants, mais en même temps, les kits, c'est toujours comme ça. Hein. Y a rien pour les gosses. Pauvre gosse. Ah, mais du coup, il y a cette petite coiffure mignonne. Et re, mes choucrouloutes, donc j'ai fini de poser à peu près tout. On va commencer par les portes. Alors, il n'y en a qu'une de taille petite. Il y a beaucoup de coloris. Je vous ai mis 3 coloris, mais il y en a beaucoup plus. Je ne suis pas spécialement fan de cette porte. Après, je les ai foutus là comme ça, en plein dans le vide. Donc, effectivement, peut-être que s'il y a le bon décor autour, ça ira bien. Je ne sais pas. Les fenêtres, il n'y en a qu'une en petite taille et je les trouve très sympa. Le papier peint, il y en a 2. Donc voilà, je vous ai mis toutes les couleurs de ce papier peint là. Et il y a celui-là. Alors celui-là, je vous avouerai que j'ai beaucoup de mal. J'ai aucune foutue idée où je vais le placer, comment je peux le placer. Les rideaux, il y en a 2. Je vous ai pas mis toutes les couleurs de ceux-là, mais je vous ai mis toutes les couleurs de ceux-là. Bon, en soi, c'est les mêmes couleurs. Ceux-là, avec le petit clip là, c'est magique. Ceux-là, je suis un petit peu moins fan. Mais ils sont beaux quand même. Là, on a une cheminée, donc pareil, il y a plein de couleurs. Cooler. Elle est assez jolie cette cheminée. Ensuite, nous avons des lits. Donc il y en a 2. Il y a pas mal de couleurs. Il est très beau ce lit, j'aime bien. Même en rose, je l'aime bien pour vous dire. Celui-là, par contre, j'ai un petit peu plus de mal. Il y a 2 commodes, donc une petite commode et une armoire. Une armoire. Pareil, il y a encore plein de couleurs. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, elle est belle cette armoire. Hein. Moi, j'aime bien l'effet un peu vitré sur. Enfin, pas vitré, mais vous voyez ce que je veux dire, là, sur le bois du milieu. L'effet un peu chatouillis, là. Ensuite, nous avons le canapé. C'est un grand canapé, hein. Il est très beau, je trouve. Peu importe la couleur, j'en ai pas vu qui était moche. Même le rose est beau. Et oui, qu'est-il arrivé à Lupina? Elle dit que le rose est beau. Je pense que c'est ma nouvelle teinture qui m'a cramé la tête. Là, on a un bureau. Pareil, il y a des couleurs, bon... Il y en a qui passent plus ou moins, par contre, là. Et il y a les petits tampons, comme on voyait dans la bande-annonce, ils peuvent se pouf-pouf avec là. Ça ne veut rien dire, mais j'espère que vous avez compris. On a une table basse, pareil, avec les mêmes couleurs que le bureau. La chaise, je ne suis pas du tout fan. C'est pas une chaise, en plus, c'est un fauteuil, mais je ne suis pas fan du tout. Après, il y a des couleurs sympas, mais pas... enfin, c'est la forme, ça me... Non, la chaise, c'est pareil, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la forme. Il y a 2 tapis rangs. Il y a celui-là, je le trouve trop mignon. Il a l'air tout plucheux. J'ai envie de me vautrer dessus. Et celui en vert, on dirait trop des touffes d'herbe. Enfin, c'est... Je trouve ça super fun pour des créations verdoyantes. Ça peut être sympa à placer quelque part pour faire genre, hey, regardez, il y a de l'herbe ici. Enfin, bref. Et il y a celui-là qu'on avait vu pas mal dans la bande-annonce. Pareil, il y a des couleurs sympathiques, mais la forme, je sais pas. Cette coiffeuse est magnifique par contre. Je kiffe cette foutue coiffeuse. Et là, il y a des couleurs assez sobres. Le miroir est vachement grand. Enfin, il est trop beau. On a le paravent. Pareil, il y a plein de couleurs pour le paravent. Il y a même ce rose affreux. Il y a ce petit pot de fleurs. Des flowers. Qui est aussi sympathique, je trouve. De toute façon, moi, les fleurs, j'adore ça. Donc, je les mets dès que j'en peux. Il y a cette lampe qui est particulière. Là, on a une petite lampe qui est fortement sympathique. Une lampe de chevet. Ça, par contre... Mon Dieu, c'est d'un goût. Bon, chacun ses goûts, mais je me souviens très bien que j'en ai déjà vu des lampes comme ça. Et c'est très bizarre. Ça, c'est des bougies, mais ça fait aussi décoration. Je trouve ça super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Là, on a une autre coiffeuse, donc pareil, avec un super grand miroir avec 3 faces. Magnifique. On retrouve le petit pot à pouf pouf, là. Et cette déco, c'est assez particulier. Le dragon me fait peur. Chacun ses goûts, je suppose. On a des petits guéridons. Voilà, c'est drôle ce mot guéridon. Je sais pas ce que j'ai avec ça en ce moment. Plus personne dit guéridon, si on dit table de nuit, table de chevet. Guéridon, ce magnifique guéridon datant du 17e siècle. Bon, j'arrête. Je trouve très beau. En plus, il y a une vitre dessus. Ça, c'est la classe. Celui-là aussi, il est sympa. Mais celui-là, il fait plus le petit train que pousse le domestique, là. Le petit train. Le petit plateau que pousse le domestique. Il nous reste aussi des miroirs. Donc, comme vous pouvez voir, il y a toutes les tailles. Ils sont trop beaux. Putain, les reflets, c'est magnifique, par contre. Oh, et j'adore. Il y a ce petit miroir-là qui est très beau aussi. Et celui-ci, ce n'est pas du tout un miroir, c'est une horloge. C'est pas grave, Loupi. Donc, il y a cette horloge qui est aussi sympa, je trouve. Et enfin, les 3 tableaux. Alors, je les trouve magnifiques, surtout ces 2-là.
Celui-là, je suis un petit peu moins fan, mais franchement, ils sont trop beaux. Ah, puis j'ai oublié le globe, le fameux globe. Du coup, où le gamin peut faire tourner, casser l'alcool. Alors, ce globe, si vous le cherchez, il est dans les bars. En tout cas, bah, c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Il y a quand même des trucs que j'utiliserai pas, ça c'est sûr. Bref, on va se retrouver dans le gameplay. Je vous reprends tout de suite. Mes choucrouloutes, du coup on se retrouve dans la partie gameplay. Alors je me suis mis dans la famille, dans ma famille en gros. J'ai rajouté ça et la coiffeuse en bas. Donc on va tout de suite emmener Miss Lupina se pomponner. Le truc qui me correspond pas du tout. Contempler. Ah bon? Ah, c'est la tête. Se maquiller. Oh, attendez. On va voir ça. Ah mais on peut vraiment se maquiller en fait. Ça change quoi? J'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Ok, donc le pinceau vient de disparaître. C'est génial. Ah, quelle horreur. Oh my god! Retire ça tout de suite! Retire ça tout de suite! Oh mais c'est ouf, regardez tout ce qu'il y a. Ah, argenté bleu, lèvres rouges satinées. Donc là en gros, elle aura... oh my god, mais ce maquillage de cougar là. Elle aura ça sur les yeux, mais les lèvres rouges. Ouais, ça c'est pas rouge, pour moi c'est marron, mais bon. Si vous voulez. Bon, on va arrêter là le massacre. Je crois que les petits peuvent aussi se maquiller. Jouer avec le maquillage. Oh, viens jouer avec le maquillage, Maxine. Alors, elle va être horrible, la pauvre petite. Oh, oui, oui. Allez, qu'on rigole. Elle est trop kiki. Oh, putain. J'ai peur. J'ai peur du résultat. Oh, oh putain. Riori. Magnifique! Tu es splendide, Maxine! Oh mon dieu, quelle horreur! Pauvre gosse! Pauvre gosse! Toi, tu vas aller jouer avec ça. Servir la boisson. Oh, il y a des nouvelles boissons, ça c'est cool! Vas-y, va boire ça. C'est l'ado, alors on s'en fout. Et ce que je voulais faire, c'était un majordome. Non, on va pas refaire un bébé, c'est bon, on en a déjà eu je sais pas combien, là. Service, allez. Alors, la bra. Un majordome, yes. Alors, l'Académie des majordomes de Windenburg a un excellent candidat pour rejoindre votre résidence en tant que majordome personnel. Il arrivera pour travailler dans la journée. À l'arrivée de votre majordome, veuillez lui attribuer un lit. Trop cool. Si vous fournissez un logement privé à votre majordome, vous pouvez définir du verrouillage de porte pour sa partie de maison. Ah, mais ça, c'est super. Bon, bah, du coup, j'ai pas de lit pour lui, mais... Ah! Ah, c'est une majordomette. Tu es très moche. Oh, la pauvre. Non, mais pourquoi pas, soyons ouverts. Oh, ce boule! Oh, bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Majordome! C'est trop bâtard, je trouve. Attribue une tâche visiteur. Inviter tout le monde à rentrer. Renvoyer les visiteurs. Oh, mais c'est trop cool. Ah, du coup, on peut lui licencier, réprimander, féliciter. Responsabilité, arrêter de jardiner, arrêter de... C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Attribuer une tâche. Enflammer la piste de danse. S'occuper d'un mineur. Alors, nini, la nina. Préparer un repas de fête. Jouer du piano, jouer de la guitare. Putain, mais c'est trop bien. Oh, tiens, va lui dire de... Ah, tu te déplaces pas. Oh non. Oh putain. Elle se déplace même plus, tu sais. Majordome. Elle a envie de pisser, c'est génial. Alors. Et du coup, par contre, faut forcément cliquer sur le majordome. Elle est trop kiki. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que ça? C'est déjà bien, tu me diras. Donc, je pense qu'on va bien pouvoir s'amuser avec mes familles riches là. Oh là là. Ah, oh, c'est cool.
C'est très cool, on va pouvoir les faire renvoyer aux visiteurs parce qu'ils nous font chier. Et on peut aussi lui dire d'arrêter de faire des trucs comme ça. Comme ça, elle se concentre sur d'autres. Ça, c'est bien. On va lui dire de faire un repas de fête pour voir. Responsabilité. Non, c'est pas ça, c'est gestion. Non. Attribuer une tâche. Préparer un repas familial. Vous allez voir ma Sims qui va faire. Oh là! Oh putain, je trouve ça horrible! Va bosser! Je pense que je vais acheter une petite clochette, je vais faire pareil avec Ruru. Ruru, fais à manger! Oh putain! Bon, bah c'est génial. Enfin, moi je trouve ça trop kiffant. Après, vous allez me dire, ce kit n'est pas du tout nécessaire, hein. Mais moi j'aime bien faire un petit peu un côté un peu roleplay dans mes familles. Et du coup, ça va être génial pour les familles riches. Enfin, ça. Enfin, voilà, je vais bien m'éclater. Bonjour, homme! J'ai pépé! Youyou! Ramène ton boule! Et elle aussi, les petits peuvent aussi commander. Voilà, donc la petite, elle est où la petite majordome? Majordome! Ah! Majordome! Voyons voir. Ah, elle peut aussi attribuer une tâche. Pareil, ah, mais c'est peut-être pas les mêmes tâches. Ah, si. S'occuper d'un mineur. Par contre, tu peux pas enlever ton maquillage, c'est trop atroce. Est-ce qu'on peut, du coup, sur la coiffeuse, enlever le maquillage? Non, on peut pas. Mais comment elle enlève? Comment elle enlève le maquillage? Oh my godness! Bon, bah Maxine, elle va rester comme ça. Hein. Oh, c'est dégueulasse! Le vert pour les yeux, les grosses joues et le rouge à lèvres qui bave, c'est... C'est magnifique, je pense qu'on va se laisser sur cette image vraiment fabuleuse. D'ailleurs, je vais prendre un screen, voilà. C'est trop beau. Du coup, j'espère que ma découverte vous aura plu. Je suis désolée si j'étais un peu molle au début, c'est que j'arrivais pas à respirer, je sais pas pourquoi. C'est passé, heureusement. Je vous fais plein de bisous, vous me direz dans les commentaires si vous avez acheté le kit et ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de commenter, de mettre des pouces en l'air, de partager, de me dire ce que vous pensez de mon travail parce que ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, vos retours, puisque l'espace commentaire est fait pour ça, hein, pour que l'on discute. Donc je vous fais plein de bisous et salut !